Donc le travail, la santé, l'argent, la famille, ce n'est pas seulement ce que l'on pense, ce que l'on croit. Ce n'est pas seulement ce que tu peux prendre dans ta main. Le travail, ce n'est pas seulement ton travail. La santé, la famille et l'argent aussi. Et j'aimerais vous partager une autre vision de l'argent, de la famille, de la santé et du travail. Une vision qui demeure humaine. C'est une vision humaine. Mais pas seulement humaine d'un point de vue physique et matériel. Pas forcément d'un point de vue humain dans un monde pensé par les humains. C'est un peu plus, on va dire, magique, un peu plus spirituel. C'est une vision humaine, mais subtile, spirituelle. Mais ça reste tout de même une vision humaine. C'est une vision de prêtrise de la vie. Je reprends l'exemple du temple. De même, comment tu rentres dans le temple à l'extérieur de toi, tu rentres dans le temple à l'intérieur de toi. S'il y a un temple à l'extérieur de toi, c'est qu'il y a un temple à l'intérieur de toi. Ça, c'est une vision essénienne, pas seulement essénienne. C'est une vision particulière de l'existence sur Terre. De même qu'il y a de l'argent à l'extérieur de toi, à travers des billets, à travers des pièces, il y a de l'argent à l'intérieur de toi. Si les hommes ont pu faire de l'argent à l'extérieur d'eux, imprimer des billets, imprimer des pièces, et s'ils ont pu dire ce bout de papier, ce métal, il coûte, il vaut tant, s'il a pu le dire, et si les hommes ont pu accepter ça comme un consensus, qu'ils l'ont accepté, et qu'ils ont dit oui, d'accord, nous acceptons que ce bout de métal, il vaut tant. Et que ce bout de métal, que ce morceau de métal, il vaut plus, il vaut tant. Et que ce bout de papier vaut tant. C'est que l'argent existe à l'intérieur et existe partout, partout. Nous disons qu'avec l'argent, nous pouvons tout faire. Et c'est vrai, et c'est vrai. On peut tout faire. Avec l'argent. Tout. Mais pas avec l'argent physique. Avec l'argent physique, on peut faire beaucoup de choses dans un monde. Dans un monde. Mais à un moment donné, cet argent est limité. Tu ne peux pas acheter le bonheur avec cet argent, par exemple. Tu ne peux pas acheter la sagesse. Tu ne peux pas avoir avec de l'argent, tu vois, à aller dans un magasin et dire « je veux tant de sagesse ». Tu ne peux pas. Tu es limité. Tu peux acheter un magnifique bateau, tu peux acheter une magnifique villa, tu peux acheter des terres, tu peux acheter beaucoup de choses avec l'argent. Mais tu ne peux pas acheter la sagesse. Tu ne peux pas arriver, tu n'es pas sage, et puis tu as de l'argent, tu vas dans un magasin et quand tu ressors, tu es sage. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Par contre, tu peux ne pas avoir la dernière voiture à la mode, arriver dans un magasin, et quand tu ressors du magasin, tu as la voiture qui est à la mode aujourd'hui. Ça, tu peux. La sagesse, tu peux pas. Le bonheur, tu ne peux pas. Avec cet argent-là, l'argent physique, avec les billets, avec les pièces, tu ne peux pas. Mais il y a un argent qui est à l'intérieur de nous, mais pas seulement à l'intérieur de nous, à l'intérieur des minéraux, des végétaux, des animaux, à l'intérieur des anges, à l'intérieur des archanges, des dieux. Il y a un argent
qui est partout, partout. Et avec cet argent, oui, tu peux tout avoir. Tu peux tout réaliser. Mais là encore, qu'est-ce que veut dire réaliser? Parce que la mère est une révélatrice. Elle révèle. Mais elle révèle quoi? Elle révèle ce qui est déjà. Elle ne fait que le révéler. Tu ne peux révéler que ce qui existe. Quand tu craques une allumette, le feu apparaît. Mais le feu apparaît, la flamme apparaît, parce qu'elle était déjà là. Elle était invisible. Elle était là dans un autre monde. Et par des processus de chimie, d'alchimie, de la magie, c'est de la magie. Tu prends un bout de carton. Sur ce bout de carton, il y a une sorte de pellicule. C'est quelque chose de particulier. C'est des minéraux, il y a des éléments, il y a beaucoup de choses. Et puis, tu as un bout de bois et tu craques. Et là, le feu apparaît. Tu fais révéler le feu. Mais l'argent, c'est ça. L'argent, c'est cela. Avec l'argent, tu peux tout révéler. Tu peux tout faire apparaître. La richesse, elle est à l'intérieur de toi. Il y a des sans-abri, ils sont plus riches que l'homme le plus riche du monde. Il y a des sans-abri qui ont mieux réussi leur existence que l'homme le plus riche du monde. Il y a des sans-abri, à la fin de leur vie, ils vont avoir une richesse qu'ils ne vont pas perdre après la mort. Ils auront compris une sagesse de la vie. Et quand ils quitteront le corps, ils vont la garder. L'homme le plus riche du monde, il peut avoir tous les bateaux, toutes les villas, toutes les maisons, toutes les voitures. Il peut tout avoir. Quand il va mourir, il va le perdre. Il va le léguer, il peut le léguer, il peut le donner. Il peut y avoir un héritage, il peut le transmettre. L'héritage, c'est la famille, c'est les liens. Et l'héritage, ce n'est pas seulement un père avec son enfant biologique. L'héritage, c'est ce que tu vas donner à l'autre. L'autre va devenir comme ton enfant. Celui qui va continuer l'œuvre. Tu as une entreprise. Bien sûr que tu veux la léguer à tes enfants biologiques, mais des fois, tu ne peux pas. Tu vas la léguer à qui? Ça, c'est la famille. Ce n'est pas seulement ça. Ce sont tous les liens. Tous les liens. Imagine. Envole-toi. Voyage. Par la pensée. Imagine. Tous les liens. Le fait que la terre te porte, il y a un lien. Le fait que le ciel t'inspire et t'élève, il y a un lien. Le fait que tu es assis là et que tu m'écoutes, il y a un lien. Il y a un lien. Et selon la relation du lien, parce que dans un lien, dans une relation, on est deux. On est deux. Toujours. Et selon la relation de ces deux pôles, des fois tu es l'enfant et des fois tu es le parent. Des fois tu es un père, des fois tu es une mère. Tu comprends? C'est ça la famille. Tu n'es pas un père parce que tu es un homme dans un corps d'homme. Tu es le père parce que tu manifestes et tu révèles quelque chose qui est du principe du père. Et c'est pareil pour la femme, pour la maman. Une maman, des fois, elle est comme un père. Un père, des fois, est comme une mère. Des fois, c'est ton enfant qui est ton parent. Des fois, c'est ton enfant qui te donne une leçon de vie. Ça n'a rien à voir avec le corps. Et là encore, on n'est que dans des relations humaines. Mais il y a des liens, des relations avec les pierres. Avec les arbres,
avec les montagnes, avec les forêts, avec le ciel, les étoiles, avec les animaux. Et tu peux avoir des liens et des relations avec les anges, avec les archanges, avec les dieux. Tout cela, c'est la famille. Ce sont les liens. Les liens. Il y a des liens partout. Même si tu es immobile, dans le silence, que tu es enfermé dans une grotte, sans lumière, même si le monde entier t'a oublié et ne pense plus à toi, il y a encore des liens. Tout cela, c'est la famille. La santé, c'est la respiration. Il y a le lien et il y a la respiration. C'est un lien plus subtil. Parce que le lien, dans le lien et dans cette vision de la famille, il y a l'autre et il y a toi. Peu importe l'autre, peu importe qui tu es dans le moment, peu importe l'autre, peu importe qui tu es, parce que tu es plein de choses. Là, tu es quelque chose, tu portes quelque chose, tout à l'heure, tu vas être autre chose, tu vas porter autre chose. Mais il y a tout de même à l'intérieur de toi quelque chose qui est fixe. Hein? Mais si on va dans des couches plus extérieures à toi, alors tu es plein de choses. Ça, c'est les liens de la famille. C'est il y a l'autre et il y a toi. Et il y a un lien, un fil. Un fil. C'est une image. Le fil est tendu ou le fil est très lâche, très souple, détendu. Le fil peut casser. Si c'est trop tendu, il peut casser. S'il est trop détendu, ça passe pas aussi. Il y a des informations, des connexions qui passent pas. Ça, c'est la famille, les liens. La santé, c'est la respiration. C'est vraiment différent, mais c'est plus subtil parce que c'est comme si tu vois au niveau du lien et de la famille, il y avait cette ficelle et elle était comme accrochée autour de tes hanches. Et ce lien, il est accroché aussi autour des hanches de l'autre. Tu es libre de faire des mouvements, de faire des choses. Tu es libre de penser. Tu es libre de parler, de voir d'une certaine manière. Mais quand même, il y a un lien. Si l'autre commence à partir dans une direction, à un moment donné, quand le lien va se tendre vraiment, forcément, il va t'amener. Mais toi, c'est pareil. Si tu pars dans une direction et que tu es attaché à quelqu'un par un lien, attaché, ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien amoureux. Ou, tu comprends? Tu es attaché à tes ennemis plus que tu imagines. Plus que tu imagines. Ce n'est pas seulement quelque chose de l'amitié, la famille. La famille, ce n'est pas que ce que tu aimes. C'est aussi ce que tu n'aimes pas. C'est la famille. Donc c'est un lien, tu vois, c'est physique. Physique. Mais il y a autre chose de plus subtil. C'est la respiration. Qu'est-ce qui va rentrer à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que l'autre va émaner comme parfum, comme souffle, et qui va rentrer à l'intérieur de toi? Ça, c'est la santé. Et toi-même, qu'est-ce que tu vas dégager? Qu'est-ce que tu vas rayonner? Qu'est-ce que tu vas émettre que l'autre va respirer? Tu vois la différence entre la famille et la santé? La famille, c'est comme si tu connaissais, tu étais dans le courant. Il y a quelque chose de fatal. Il y a comme une certaine fatalité dans le lien et dans la famille.
Dans la santé, tu peux choisir le courant que tu vas prendre. Tu peux choisir le courant, tu vas respirer, tu vas faire attention, non pas seulement aux liens, tu vas faire attention à ce que, à ta respiration, tu vas faire attention à ce que tu vas laisser entrer à l'intérieur de toi. Et tu vas faire attention aussi à ce qui va sortir de toi. La respiration, ce n'est pas seulement l'inspire et l'expire dans un corps physique. La respiration, c'est comme l'argent, la famille, la santé, le travail. Elle est partout, la respiration. Un minéral respire, un végétal respire, bien sûr. Un animal respire, les anges respirent, les archanges, les dieux respirent. Ta pensée respire. Tes sentiments respirent. Ton vouloir respire. Tes actes respirent. Tu fais un acte, il respire. C'est la santé. Par Saint-Jean le caché, la lumière et l'enseignement. Je me